Eh bien bonjour, bienvenue pour cette nouvelle recette. Donc aujourd'hui, nous allons préparer des muffins et comme nous sommes en pleine saison des fraises maintenant, on va faire des muffins aux fraises avec des petits dés de pommes. Pour ceci, la recette elle est très facile. Nous allons utiliser 150 g de farine, 50 g de beurre fondu, un œuf, donc 50 g d'œuf, 100 g de sucre, 3 g de sel, 10 g de levure chimique et 125 g de lait. Vous pouvez remplacer le lait par du yaourt et je vous expliquerai après pourquoi. Donc pour faire cette recette, eh bien écoutez, c'est très simple. Je vais battre d'abord mon liquide comme ceci avec donc le lait avec l'œuf. Je vais commencer à mélanger les deux produits. Je vais incorporer progressivement la farine. Voilà. Vous voyez, ça va vite, hein? Le sel et la levure chimique ensemble. Voilà qui est fait. Il ne me reste plus qu'à rajouter le beurre et le sucre et le tour est joué. Voilà, je mélange bien. Je vais rajouter le sucre et mon beurre. Alors, vous pouvez couper la farine, c'est-à-dire mettre la moitié de la farine avec la moitié de fécule de pomme de terre ou de maïzena. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de faire un muffin beaucoup plus léger. Ensuite, je vous ai dit en préambule qu'on pouvait utiliser du yaourt. Pourquoi le yaourt est intéressant? Parce que le yaourt, son acide lactique va attaquer le gluten de la farine et va nous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger. Donc c'est pour cette raison que si vous voulez, vous pouvez utiliser un yaourt. Voilà, ma préparation, elle est faite. Je peux mettre un petit peu de levure chimique, là dans l'occurrence je l'ai mise, pardon. Je voulais dire, je peux mettre un petit peu de vanille liquide. Ici, moi, je vais utiliser du citron. Et vous voyez, c'est un citron qui est bien jaune. Alors pourquoi il est bien jaune? En fait, il est mûr, tout simplement. Le citron est totalement mûr au moment où il tombe de l'arbre, pas quand on le cueille et qu'on le laisse mûrir à côté. Ça vous permet d'avoir des citrons qui sont sucrés. Alors c'est vrai que j'ai la chance d'habiter dans une très très belle région. Qui est au sud et donc où on a de très beaux citrons. Donc voilà, je vais mettre la moitié d'un citron. Il ne me reste plus qu'à mélanger mes pommes et mes fraises. Et là, en l'occurrence, j'ai pris des fraises de carrosse. C'est la pleine saison des fraises de carrosse, alors je ne vais pas m'en priver. Habitant le sud de la France, j'utilise des fraises de carrosse. Regardez comme elles sont belles. Elles sont tout simplement magnifiques. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, quand je suis allé faire les courses, de trouver des fraises de carrosse. J'en profite. Voilà, je mélange tout ça. Et je vais pouvoir. Alors voilà, délicatement. Et je vais pouvoir mouler maintenant, tout simplement. Alors, ici, dans mon moule, alors, comment on fait des muffins? Théoriquement, ils sont en caissette. Alors, j'ai fait exprès de mettre des caissettes. Vous n'avez pas de caissette, ce n'est pas grave. Vous vous en passez, vous beurrez votre moule et le tour est joué. Donc il ne me reste plus qu'à mouler maintenant dans mes caissettes ou dans mes moules, comme vous voulez. Alors moi, le petit conseil que je vous donne, ne le cuisez pas tout de suite. Attendez une petite demi-heure que votre levure chimique s'hydrate bien. Si vous le faites de suite, il n'y a pas de problème. Mais vous aurez un meilleur résultat, ils sortiront bien, bien paumés quand vous les aurez laissés reposer une demi-heure. Voilà, le tour est joué. Il ne me reste plus maintenant qu'à mettre tout ça au four à 160 degrés pendant à peu près 12 minutes. Tout dépendra de votre four et ensuite de la grosseur de vos moules. Voilà, regardez, c'est prêt.